Bonjour, c'est Sylvana, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Et du coup, aujourd'hui, on va faire quelques games, voire une seule, parce que j'ai pas trop la tête à jouer aujourd'hui. Mais bon, j'ai fait une vidéo exprès pour vous parce que ben, ça fait un petit moment déjà que j'en ai pas fait. Enfin, je crois que ça fait 2 ou 3 jours. Et bon, déjà 2 ou 3 jours, ça fait déjà assez long, quoi. Pour certaines personnes, mais après, pour certains, non. Donc du coup, on se retrouve dans le lobby. Du coup, j'espère que vous allez bien, les gars. Après, là, je fais cette vidéo, il est presque minuit. Du coup, la vidéo elle va sortir demain, voire demain soir. Le temps que je vais mettre, parce que avec ma connexion en ce moment, c'est pas top du tout. Enfin, là, je suis à 40 ping, mais bon, ça se voit pas beaucoup. Mais que je n'ai pas une bonne co, mais vous allez voir, ça va mettre 3 ans à faire, quoi. Sortir par derrière, ce sera mieux quand même. Et merde. Les gars, je vous le dis, je joue comme une merde. Parce que là, je suis pas chaud du tout. Enfin, en fait, depuis tout à l'heure, je suis sur le jeu, mais je suis dans le menu à rien faire, quoi. Enfin, un truc débile. J'ai envie de tirer, mais bon, si je me loue, je vais décoller à l'arrière. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher un petit peu de lui. Allez hop, je suis pas solo, vous allez voir. Ah, du coup, ça va être relou parce que il vise pas. Il a pas une bonne qualité pour viser lui. Putain, il partait dans sa gueule. Putain, tout pour me faire chier. Bah, il s'est arrivé le 49 là, c'est quoi ça? Attendez, je me fais dans mes constructions en plus. Donc d'habitude, je construis assez bien en plus. Putain, j'ai un bon shoot avec en vrai. Regardez, il sait de venir parce que... Et je loupe pas une seule balle. Je sais pas comment je fais. Putain, j'ai pas envie de me faire shooter à l'arrière par contre. Hey, Shrey! Vous avez vu les gars comment ça m'a fait vaxer? Pourtant c'est pas la première fois que j'utilise cette arme, mais bon. Allez, elle envoie beaucoup vaxé, je trouve. Je crois que je vais me faire shooter parce que j'ai pas de construit en plus. Je sais pas où il est passé le gars en plus. Ah, je me fais shooter de l'autre côté. Bah ouais, fils de pute va. Putain. Toujours quand il y a quelqu'un pour faire chier, il se gêne pas en plus, hein. Bah, il trouve toujours des armes. Putain, je tombe sur quoi, moi?
La grosse merde. Putain de sa mère. Wow. Je m'ai un peu dit comme ça, après si. Juste pour pas vous laisser dans le vent quand je parle pas, quoi. Ah, ça m'énerve. Putain, quand les mecs ils ont moyen de faire chier le monde, ils le font chier. Enfin, ils font ce qu'il faut pas faire, quoi. T'as une vraie casse-couille. Sur lui, ce qui m'intéresse, c'est le roi des glaces, de toute façon. J'ai peut-être à 22 000 adversaires, mais bon, je fais beaucoup de créatifs en ce moment. Oh là là là, putain, j'en ai marre. Ouais, j'ai pété le truc, ça s'est mis à la, ça s'est passé à la nuit. Genre. Après, parce qu'il prend pas ses balles en plus. Je suis à 1 km de hauteur là. Bon bah toujours quelqu'un, de toute façon il y aura quelqu'un qui va venir faire chier le monde. Je suis sûr, je vais prendre cette baraque. Vas-y, vas-y. Eh va, eh toi ni bête ami, ok. Mais jamais Cray. Putain c'est pas possible. Je t'ai vu toi. Eh, il a une tactique, putain. Putain, j'en ai marre. Les mecs, ils ont une arme. À chaque fois, c'est une arme qu'on peut avoir, hein, mais qu'on n'arrive jamais à avoir. T'as le mec pas moyen de le toucher en plus là, parce qu'il a pas de sauter, ce petit kangourou de merde là. T'as le mec comme... je sais pas pourquoi, mais il faut toujours que c'est moi qui attaque en premier, ça me saoule. Le mec qui a une pompe, il attend derrière le comptoir, ça me dégoûte, c'est bon. Putain. Faut toujours que les mecs ils tombent sur une arme et que c'est une bonne arme, putain. Moi je tombe toujours sur une arme qu'il faut pas au début. Putain. Je peux pas. Jamais de chance moi. Soul. Ça me donne même pas envie de jouer, de toute façon c'est quand c'est comme ça. Putain, t'as pas d'armes. T'as pas d'armes, façon de parler, parce que j'avais une AK, mais bon, une AK une arrière qui pue la merde. La banane est tellement grosse que t'arrives même pas à la toucher. Putain, on est marre. Je vous jure les gars, putain, quand ça m'arrive des trucs comme ça, j'ai envie de quitter le jeu. Je vous le jure. Les mecs, je tombe sur une AR ou une AK. Le mec en face, il a juste une toute petite chambre, une chambre de merde, une pièce toute petite de 1 mètre carré.
T'as le bord. Le mec il trouve quoi un pompe à chaque fois? Il va pas trouver un petit pistolet quoi pour que je puisse le buter là? Putain, faut toujours que je tombe sur un mec qui a un pompe hein, à chaque fois. Bloc de TV, TTV, Dakim, Dabin, c'est pas cool. Putain. Putain. En plus les gars, je sais pas si vous avez vu, mais enfin, je sais pas si vous avez su, mais j'ai eu des CPL. Les CPS et les boîtiers Wi-Fi qui permettent d'avoir une meilleure connexion. Je les ai essayés, ça marche beaucoup, ça marche bien, très bien même. J'ai installé un jeu que j'ai désinstallé, hein. C'était juste pour un test. C'était le jeu, c'était un jeu qui prenait 20 gigas je crois, voire 30, je sais plus. J'ai fait exprès de le télécharger pour voir la fonctionnalité des CPL. J'ai essayé, ça marche énormément bien. D'habitude avec la co que j'ai en ce moment, là je suis connecté par Wi-Fi. Du coup ça me met en vitesse de connexion, j'ai 5-6 je crois. Et avec les CPL j'ai 16-17. Et j'ai essayé un téléchargement avec les CPL. Et ça marche, les gars, je vous le dis. Vous avez la bouche qui pend, hein, je vous le dis. C'est la meilleure façon d'avoir une bonne connexion. Quand vous avez une code merde, bien sûr. Après, quand vous avez une bonne connexion, mais qu'elle est pas assez bonne. Enfin, vous avez, je sais pas, si, genre vous avez 15 MB, mais que vous avez 300 de ping, quoi. Enfin, je pense pas que c'est un truc qui peut arriver, mais bon, si vous avez vraiment une code merde aux alentours de vous, mais que vous avez une connexion assez élevé en termes de freebox, parce que moi j'ai une freebox mais bon j'en parle même pas. Le mec je lui fais mal, le mec je lui mets très très mal. Bon, les gars, désolé si j'ai pas parlé pendant quelques secondes, mais je pense que c'était pour la bonne cause. T'as le mec qui est tombé devant moi comme ça, j'ai fait Tiens, je parle, mais j'aurais continué à parler. J'aurais même pas fait gaffe qu'il y aurait eu le mec, quoi. J'aurais même pas fait gaffe, je vous jure, les gars, j'aurais même pas fait gaffe. Je vous jure, les gars, je m'attendais pas à ça, quoi, qu'il y aurait un mec pendant que je vous parle. Ah putain, quoique mon nouveau casque que j'ai eu, c'est du bon, hein, parce que je l'aurais pas entendu avec mes écouteurs, le mec. Parce qu'au début, je l'avais pas vu, mais je l'ai entendu. Du coup, c'est ça qui est. Par contre, la tête que je lui claquais à la fin, par contre. Enfin, même au début, je lui claquais un 119, je crois, il me semble. Et après, je lui ai mis quelques balles avec la PM. Après, je l'ai fini avec une balle de pompe. 88 dans la tête en plus. T'as mis qu'il avait un space 12 en plus. Enfin, au début, je pensais qu'il allait me tuer parce que. Enfin, au début, enfin. À chaque fois, quand je tue quelqu'un, façon. Enfin, quand je suis en fight avec quelqu'un, je dis ouais, il va me tuer. Mais des fois, ça arrive pas, quoi. Merde, t'as ma sorcière un peu forte. Il faut que je la baisse. Bon, j'ai pas envie de la baisser parce que j'ai pas envie, c'est tout. Ça me donne un avantage de toute façon quand je suis en fight, ça. Cette sensi. Parce que le mec il est devant moi, il saute comme ça. Boum, il atterrit, moi juste à faire ça. Ben, juste à faire. Comme ça. Après, c'est pas non plus une sensi. Enfin, c'est pas non plus une technique aussi bonne, mais bon. Après, moi je fais ma technique, après vous faites la vôtre. Hein. C'est comme vous voulez. Y'a pas un coffre là-bas. J'ai pas vu. Il a déjà fouillé, c'est bien ce que je me disais. Il y avait quoi dedans? Ok, une bombe répulsive et un chasseur. Ok, d'accord.
top 27. Le ce mec qui me regarde tout le temps, c'est ça qui me stresse des fois. En fait les gars, moi des fois par exemple si je démonte un mec, enfin si je bute un mec comme je viens de faire, et ben ce qui va me stresser c'est qu'il y a le mec qui me regarde. Je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre à comprendre mais je sais pas. Quand il y a quelqu'un qui me regarde, je sais pas, je suis stressé. Je sais pas pourquoi mais bon. Je pense qu'il y a un mec qui a spawn ici parce que d'habitude il y a jamais d'habitude il y a toujours une arme qui traîne dans les maisons comme ça. Pourquoi je vais vite approcher de Salty parce que je vais croiser un mec comme là je viens de voir un mec. Essayer de le contourner, je vais essayer de le prendre dans le dos. Je pense qu'il m'a vu de toute façon, à moins qu'il ait été dans le toit mais bon. Pourquoi je vais éviter de m'approcher trop vite du toit parce que sinon après s'il m'entend il va pouvoir monter sur le toit faire une T4. Je vais aller doucement. Je sais que ça c'est la technique des tarlouses ce que je fais mais bon. J'ai envie de le faire, je sais pas pourquoi. Là, je suis en train d'aller doucement, en plus le mec je suis sûr il est dans le toit. Comme as là. En train de se planquer. J'entends des tirs mais je sais pas où c'est. J'entends des tirs mais je sais pas où c'est, ça m'énerve. Plus j'ai peur qu'il y ait un mec qui vient là. Enfin qu'il y a le mec qui sort de sa bardelle. Ok j'ai vu un mec là-bas. Oh, il est en quad, la flemme d'aller. Le mec je sais pas où il est, hein, ça m'énerve. Je l'ai entendu. Oh yes, il est tombé de chute. Oh là, au calme. Au KLM, les gars. Il est tombé de chute. Oh là, je suis au calme. Merde, putain, c'est pas mal construit. Il est là, son loot. Oh hey, putain. Par contre, si je tombe de chute, là... Ce serait un peu chiant. Merde. Ah ouais, il était chaud lui, tout ce qu'il avait. Ray. Je sais pas, mais je le savais de façon qu'il allait sortir de quelque part. La preuve. Il est sorti du toit, enfin il est sorti de l'autre côté. Par contre les gars là, je pensais vraiment que j'allais mourir. De toute façon, j'avais raison. De toute façon, je serais mort. De toute façon, le mec était largement plus fort que moi. On va remettre la popo. Hop, on va aller voir ce que le mec il avait d'autre. Parce que c'est bien de faire tomber un mec, mais c'est bien de prendre son loot. On va prendre les popos. Comme ça on est tranquille. Hop, voilà. Parti. Clairement là, je pensais vraiment que j'allais mourir. Je sais, je me répète, mais bon, je savais vraiment que j'allais mourir. T'as fait chier, par contre j'ai pas le kill, de toute façon je l'ai même pas touché. Je sais pas ce qu'il y a eu ici par contre, je pense qu'il y a eu fight. Bon, en plus les mecs qui construisent comme ça, ça m'énerve. Et l'arbre qui va me bloquer. Connard.
Oh, t'inquiète pas, mon pote, tu vas rester ici. Tu m'appartiens, toi, sale petit bâtard. Tiens, ouais, t'inquiète, tu vas voir. Non! Mort. Non, putain, il a pas pris ses balles, ce fils de timbre. Putain. Je lui tirais dessus. Putain, une bonne tête dans la gueule là, ça aurait été bien là. T'as le mec, c'était mal construit en plus là. C'était mal construit. Le sol là que j'avais placé, il a réussi à modifier et faire un trou dedans. Ça, je comprends rien du tout des fois. Putain, ça me dégoûte. Ça m'énerve là, tous les trucs qu'il y a là. Je peux rien acheter, ça me dégoûte. J'en refais un, après j'arrête les gars, parce qu'après sinon là. La vidéo elle va être trop longue et ça va mettre du temps, ça va mettre trop de temps à se télécharger. Putain, en plus j'étais un petit peu chaud là. Le mec, putain, le mec, il. Comme par hasard, enfin. D'un seul coup il prend pas la hauteur, il reste stable. Putain, je lui mets une balle de d'AR, putain il commence à monter, j'ai fait putain. Sur les mecs, faut pas se méfier de l'apparence. Faut se méfier du level. Parce que des fois il y en a qui tombent sur des bambis, ils vont s'amuser avec. Mais le bambi il est pas si nul que ça au final. Une fois je l'ai fait, j'ai croisé un Bambi et j'ai voulu m'amuser avec lui. Il a fait quoi? Il m'a mis une tête. Il a construit mon armure. Enfin, vous pensez la même chose que moi. Méfiez-vous pas de l'apparence, méfiez-vous du level, c'est tout. Vous allez croiser un Bambi, vous allez vouloir vous amuser avec, il va vous déglinguer. Boum. Après vous aurez le seum, vous allez partir en PLS. Moi ça m'arrivait plein de fois. Mais par contre maintenant quand je croise des bambis, je me méfie quand même. Après quand c'en est vraiment un, bah je m'amuse avec. C'est tout. Après il y en a, ils vont dire ouais, t'es sérieux, pourquoi tu fais ça avec des bambis? Enfin, ils vont dire ouais, t'es un gamin. Pff, ouais bon, ça on s'en fout, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On fait ce qu'on veut. Tiens, bah la nouvelle arme elle est en grise aussi maintenant. C'est une nouvelle arme, elle est en grise. Bravo. Un petit chasse bleu. Par contre, il y aurait un mec qui serait passé avant moi. J'aurais un petit peu râlé. Pas qu'un peu. Ah, j'ai entendu quelqu'un se poser. Il y en a qui se fait déjà. Putain, c'est un bordel. Je vais aller me la ramener, moi. Ou ça, moi, comme ça, je ferai des kills. Oh, je suis mort de pas faire de kill. Par contre, les gars, tout à l'heure, je mettais des balles avec le pistolet. Je touchais à toutes les balles, je touchais quoi. C'est incroyable quoi. T'as d'habitude, je touche pas un bordel avec ça. Surtout avec des armes comme ça. Bon, j'entends déjà un mec, mais je sais pas où ils sont. D'accord, il est là-bas. On va l'attendre qu'il vient, lui. Parce que je suppose qu'il va venir vers moi, vu qu'il a vu la construction. Ça va venir sur le toit, il va venir par là. Regardez, il est juste là. Je vais l'attendre. Je sais que ça fait pute, mais bon, je m'en fous.
Vas-y, viens, viens. Non, j'ai loupé ma balle. Hey! Oh putain, la chance. Ah, notre PD qui se pointe là. Putain! Plus de balles, mais dans la paix, mais putain de ta mère! Et un bambino, voilà. Qui sait rien faire à part le faire le ramasse-miettes. Sale fils de pute, va. Je le savais, de toute façon, qu'il y avait un mec dans le coin, de toute façon. Du coup, les gars, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne nuit à vous. Lâchez le like et partagez. Allez, ciao!